qui est toujours Lorenzo Zanetti en tête, devant Michele Pirro et Ricardo Russo. Et l'attaque là de Luca Vitali sur Bassani pour s'emparer de la quatrième place. Et les écarts qui sont assez stables entre les trois hommes de tête, là Thomas, entre les trois Ducati. C'est étonnant, hein, les trois se montent un peu prudents en tout cas, à part Lorenzo Zanetti, hein, effectivement, qui n'a pas de lièvre entre guillemets à aller chercher. Mais c'est vrai que Pirro se montre plus prudent qu'hier en tout cas. Ah, certainement qu'au niveau psychologique, là, les deux résultats blancs coup sur coup pour Michele Pirro n'ont pas dû lui faire du bien.